J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi le 15 mars et je suis en pleine mi-session pour 3 de mes cours. Je suis vraiment en mi-session par-dessus la tête. J'ai fait 2 examens à date. J'avais pas tant besoin d'étudier parce que c'était plus des textes où est-ce qu'on avait nos notes. Mais là, je commence comme ma grosse fin de session en édu. Et en même temps, je suis en mi-session dans mon autre cours. Fait que c'est vraiment un gros moment. Puis aujourd'hui, j'ai beaucoup d'études. Fait que je me suis dit que je pourrais vous montrer comment j'organise mes journées quand j'ai besoin d'étudier. Question de me donner un petit peu de motivation, je me suis frisé les cheveux aujourd'hui. Je trouve ça vraiment beau. Puis comme je me feel vraiment en ce moment. Vendredi, j'ai mon examen d'éducation physique. Dans le fond, c'est santé et activité physique. Fait que j'ai ma partie théorique qui va être mise à l'examen vendredi à 8h. Fait que d'ici là, il faut que j'étudie mes 10 chapitres parce que c'est mon avant-dernier travail pour ma fin de session. Parce que dans le fond, ce cours-là dure juste 10 semaines. Puis je suis rendue à la 7e semaine. Fait que là, il faut que j'étudie. Puis c'est ce que je vais faire aujourd'hui. En ce moment, je suis en train de commencer mes notes de cours à l'ordinateur. Donc je vais tout retranscrire les choses super importantes que j'ai apprises en édu. Dans une vidéo que j'avais faite récemment sur tous mes meilleurs trucs pour étudier, j'avais dit que c'est beaucoup mieux d'écrire nos notes de cours à la main. D'ailleurs, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, ben je vous invite à le faire. C'est vraiment une vidéo complète sur mes meilleurs trucs pour étudier. Le cours de santé et activité physique, c'est un cours où est-ce qu'on est beaucoup à l'écrit. Parce que non seulement ben, quand je suis dans mes cours, je prends mes notes de cours à la main. Mais aussi quand je fais mes exercices, ben, c'est dans mon cahier, c'est pas sur l'ordinateur. Fait que j'ai quand même fait déjà la majorité à la main, fait que je me dis que là je peux faire mes notes de cours à l'ordinateur. Ça va être plus vite, puis en même temps, ben après je peux imprimer mes notes de cours, puis juste y aller à la main, ben comme à la main sur papier. I've read a number of books through the years at the library next to my home. And some I held close to my chest, so dear. But they were always on loan. But if the pages make me smile like a fool, maybe for once I won't follow the rules. I'll keep it until it's long overdue. So, je viens de rentrer de la banque. Comme vous avez vu, j'ai été chercher un spécimen chèque parce que je dois faire mon inscription à mes cours d'été au cégep de Hunsic. Vu que je retourne en sciences santé, parce que en ce moment je suis en sciences pures et appliquées, j'étais en sciences santé, je suis allée en sciences pures et appliquées et je retourne en sciences santé. Ben, je veux pas prendre plus qu'un an pour finir mes cours, fait qu'il me reste mes 3 chimies, mes 3 physiques, mon deuxième cours de biologie avec un cours de programme, mais comme dans le dernier, fait que j'ai comme plusieurs options avec mon dernier cours d'édu. Puis comme dans une année d'école, il y a 2 sessions, ben je dois faire des cours d'été pour y arriver en un an. Les inscriptions pour l'université sont juste à l'automne, fait que si je finis ma session, ben mon cégep, puis j'ai mon diplôme à l'automne, il faut que j'attende encore 6 mois avant de rentrer à l'université, puis ça me tombe pas. Au départ, j'étais aucunement supposée faire 2 cours cet été. Par contre, on m'a amené un bon point, puis j'y ai réfléchi, puis c'est vraiment vrai. Qu'est-ce que je vais faire si je coule mon cours que j'avais prévu faire l'été avant de rentrer à l'université? Honnêtement, si je le coule, genre, je vais être vraiment dans le marde parce que je vais devoir faire juste un an de plus pendant, genre, avant de rentrer à l'université pour un seul cours. Ça va vraiment être de la marde, puis ça me tente aucunement.
Fait que je vais faire deux cours cet été, comme ça, ben dans le pire des cas, je coule un cours puis j'ai comme un été de spare, on peut dire ça comme ça. Puis dans le meilleur des deux mondes, ben je passe puis j'ai une quota de plus qui compte dans mon admission à l'université. Avant de partir pour la banque, parce qu'elle fermait comme avant 3 heures, j'avais pas fini mon étude, fait que je vais continuer ça puis je vais essayer de finir assez tôt parce que ça me tente zéro de rester travailler comme puis d'étudier jusqu'à plus tard. Fait que je vais essayer de finir tout ça vraiment bientôt. Dans le fond, je suis revenue de la banque, je me suis pris un peu à manger, je me suis pris un petit bol de spaghetti parce qu'il est quand même presque 3 heures. Puis j'avais pas dîné, fait que j'avais faim. Une chose que je vous ai pas dit tantôt aussi, c'est que pour tout ce qui est notes de cours ou feuilles d'études, j'utilise Word sur mon ordi. Je sais qu'il y a beaucoup d'applications ou juste de logiciels qui servent à prendre des notes beaucoup plus aesthetic, cute, puis comme qui peut vraiment aider. Mais honnêtement, moi je trouve que ça va beaucoup plus vite avec Word. Puis je peux organiser avec des codes de couleurs, comme j'ai vraiment pas besoin de quelque chose de si compliqué que ça. Pour ce qui est de mon organisation d'études, donc mon horaire d'études de la semaine, j'utilise Note sur mon iPhone. C'est vraiment honnêtement comme l'application qui me sert le plus. J'ai un agenda, mais c'est beaucoup à moins à portée de main que mon téléphone. Ensuite, je marque tout le temps la journée. À côté, je marque les cours que j'ai. Puis comme aujourd'hui, j'avais pas de cours, fait que j'ai marqué « No class ». Puis j'ai marqué les choses que je dois faire à côté pour le cours ou quand j'ai pas de cours, ben qu'est-ce que je dois faire dans la journée. Puis aujourd'hui, ben je devais filmer la vidéo parce que comme j'avais pas de cours, ben j'avais une journée complète pour étudier. Puis je voulais vous montrer mon organisation de mon étude. Fait que c'est ça pour mardi, mercredi, jeudi, j'ai placé mes cours. Et à côté, ben comme mettons philosophie mardi, j'ai marqué la lecture. Ben, le travail que je devais faire qui était ma lecture et à côté ben, je marque done ou to do ou à faire pour les choses qui sont à faire puis done pour les choses qui sont faites. So, j'ai kind of fini mon chapitre 1. Il manque juste quelques petites informations à rentrer. Mais à date, ça fait 3 pages pour mon premier chapitre. C'est quand même vraiment pas pire. Fait que les autres chapitres, ça va aller beaucoup plus vite parce que là, je sais comme comment organiser mes pages. Fait que voilà. Fait que je vais vous montrer un peu ça ressemble à quoi. Ok, fait que dans le fond, j'ai marqué comme le titre là. Après ça, les définitions, après ça, j'ai marqué comme par points, vraiment comme j'ai remis les points, comme ceci dans l'examen, ben je cherche, ben je veux savoir c'est où. Puis aussi, ben j'ai une mémoire photographique, fait que je suis capable de savoir, comme mettons, à côté de quel mot est marqué tel chiffre. Donc, c'est ça, fait que ça, voilà, puis là, je suis rendue là. Fait que là, il va juste me manquer la transformation d'un comportement, puis ça va être tout pour mon chapitre. C'est pas mal ça pour mon organisation, pour mon étude d'examen mi-session. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Fait que si c'est le cas, ben n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Puis surtout, ben, abonnez-vous pour plus de contenu comme ça. Fait que sur ce, ben nous guys, on se revoit et on se repart dans une prochaine vidéo. Bye guys!